Eh, hey, rebonjour. Et ma Sulky Fight était franchement cool. Une boîte de stockage nul, j'ai envie d'aller voir. Pas sûr, mais je crois qu'ils m'ont vu. Alors, excusez-moi deux minutes, mais je crois que j'ai entendu mon chien pigner. Et les chiens sont plus importants que tout. Oui, alors excusez-moi, voilà. Un petit peu d'action. Ils sont un peu beaucoup, je suis pas trop sûr en fait. Alors, bot d'Ubisoft ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont y aller un par un ou pas d'après vous? Regarde, j'ai une casque à voler, c'est chier. Putain, je vais tromper le bouton. Pourquoi je tiens ça moi? Mais qui t'a dit que tu pouvais? Bon, normalement c'était le dernier. Oh, ce qui est tombé. Ok, encre d'escalade, ça va, et traitement médical, et ça je crois que c'est ce que je dois rapporter. Alors du coup, qu'avons-nous là-dedans? Marfan disperdu, des métaux, du spray colmatant. Parce que tout ça, ça fait ultra lourd. Donc je vais pas pouvoir le porter. Bon, je reviendrai. C'est pas grave, je peux pas prendre plus longtemps. C'est juste pour l'action et par curiosité. C'est le bâtiment là-bas. Bon, je suis presque arrivé, je suis plus trop loin. Je suis là seulement 200 mètres. Des métaux paumés. Ce que je crois que juste ça doit faire 5 kilos je crois. Ce serait sympa que quelqu'un puisse me remplacer, rien qu'une journée. Côté je prends au passage. Oh, la petite échelle. C'est sympa ça. Bon, aucun intérêt vu que c'est déjà quelqu'un qui est mieux, c'est ça. Les deux. Pas mis en premier, mais. Merci pour le coup de main. Je vais liker ce mec parce que. C'est toi. Il a rien vu, le pauvre. Non, c'est parti.
plus grand chose à parcourir. Tiens, tiens, tiens. Ville relais du lac. C'est de là où je viens, ça. Je vais pas pouvoir la porter, hein. Désolé Jean-Michel, mais... Oh, j'ai un itinéraire. Je me tiens à mon itinéraire. Lancement du scan. Scan de l'identifiant du geste. Identifiant... Ça te plaît, je suis en train de penser... J'avais bien activé de la visée. C'est-à-dire qu'il y a forcément des guns. Merci. Un gunfight à un moment, c'est sûr. En tout cas, j'espère. Livre la marchandise demandée. On confirme. Ah, l'unité Evo Devo, c'est soit celle de 30 kg, soit celle de 15 kg. Ou celle d'un kilo, je sais pas. Sam Bridges, je présume. J'ai entendu parler de vous. L'homme qui parcourt tout le pays à pied pour reconnecter les habitants. Je vous remercie de m'avoir apporté ça, vraiment. Les temps sont durs sans Fragile Express pour gérer les livraisons. Permettez que je vérifie la marchandise. Bon. Très bien. Je vois pas de dégâts majeurs. Je devrais pouvoir effectuer les tests sans problème. Merci encore. Oh, je commence à voler, je me demande combien de dégâts ça a pris. 31%, ça va? Attendez, ça faisait Oui d'accord, mais juste savoir le poids que ça faisait en fait. Ouais. Bon, ça me dit pas. Pas grave. Il faut que vous soyez conscient d'une chose. À propos de Fragile. Vous avez peut-être entendu dire qu'elle avait aidé des terroristes, sans se soucier des victimes. Mais moi je vous dis que c'est forcément faux. Avec son équipe, elle a souvent mis sa vie en jeu pour nous apporter ce qu'il nous fallait. C'est une traître. C'est une véritable héroïne. Écoutez, moi je suis né dans cet abri. Ma connaissance du monde, elle se limite à ses murs. Alors quand les gens parlent de l'Amérique, je suis incapable d'imaginer de quoi il s'agit. Et si Cupidon me connecte à tout le monde, j'aurais plus besoin d'imaginer. Alors oui, je veux rejoindre les UCA. Je veux voir ce que j'ai raté jusqu'ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça par contre je veux voir le squelette renforcé là. Ouais, non, ça, c'est bien mais. Et voilà, mon imprimante 3D autonome peut désormais effectuer des impressions chirales. Si ça fonctionne, l'unité Evo Devo devrait me permettre de reproduire toutes sortes d'objets archivés. On peut reconstruire l'Amérique, morceau par morceau. En attendant, grâce au réseau, je peux voir ce qui se passe dans les villes, suivre l'activité des mules et des terroristes. C'est un peu comme si vous m'aviez apporté le monde entier dans ce paquet. Merci Sam, je referai appel à vous. Ah au fait, j'ai un petit quelque chose à vous faire essayer si vous voulez bien. Un module d'assistance que j'ai conçu moi-même. Il fonctionne parfaitement en simulation, mais j'ai besoin de quelqu'un pour le tester en conditions réelles. Et si vous facilite un peu la tâche, c'est tant mieux. Ah bah tu m'étonnes. C'est quoi? J'espère que c'est pas trop lourd au moins ça. Ah bah justement, tiens. Sam, une fois les squelettes actifs fixés sur vos jambes, vous pouvez décupler vos capacités physiques. Oh c'est cool. Celui-là est un SA porte-charge, conçu pour renforcer vos articulations. Oui. Le simple fait de porter un SA vous sera d'un grand secours, mais vous pourrez également le booster pour maximiser son potentiel. Allez-y, essayez-le. Je peux vous dire que vous serez pas déçu. C'est nickel. Par contre, dégâts sur conteneur et dégâts, donc je suppose que... Du coup, je peux pas voir ça, ça me fait enlever des trucs.
limite c'est que des grenades hermétiques, mais sur le dos, j'ai pas le choix de toute façon. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Au travail. Alors moi ce que je voudrais voir c'est. Attendez, j'ai bien vu. Alors du coup je peux le recraft, je suppose, ouais. Ça a pas l'air de coûter trop cher encore, hein. Mais j'ai vu. Attendez, je peux porter 245 kilos là. C'est bien ça que j'ai vu. Maximum. Je suis passé de. Attends, c'était combien de base? 120, je crois. Donc je montais de 145 kilos. C'est énorme. C'est génial. Hop, les métaux. Dans le casier. Ça me livrait déjà de 5 kilos. Et le reste, de toute façon. 2 CCP, pardon. Ouais. Et du coup, je vais peut-être pouvoir porter plus de trucs et aller plus vite. Et voilà, ça fait une station de prépeur. Encore deux. Qu'est-ce qu'il y a 1000 km? Enfin, 1 km? Pardon. J'ai arrêté quand on est dans cette direction. Ah, c'est la ville portuaire, c'est ça. Maintenant, faut que j'aille ici. J'ai hâte de tester ces bottes. Alors. Niveau urine, 131 mm, je sais pas trop. Pas d'imprudence, c'est tout. Au moins, je vais boire un coup. Fin de l'interdiction des armes. J'en ai vu plus la moitié là, non? Alors je crois que je suis plus rapide, que je vais plus haut, par contre j'ai une batterie. Mais tant que ça se pète pas moi, franchement, ça me va nickel. Mais si je peux en recraft 2, je pense que ça veut dire qu'à un moment je vais péter ou un truc du genre. Je peux recharger grâce à un générateur, au soleil et à la pluie. C'est parti. Voilà. Ça monte, ça descend. J'en sais rien. Je vais tracer ma route. Ah, ces paysages sont vraiment. C'est vraiment beau.
Ah merde, souvent. Ouf, la vache. Pète les couilles. Pète les couilles. Allez, nique ta mère. Oui, 2 minutes, bébé. Tout va bien, tout va bien. Voilà, le bébé gazouille, tant mieux. Il est calme. Bon, je vais peut-être aller emprunter du coup l'échelle que j'ai vue. Par contre, j'espère juste que les marchands ne sont pas pris trop cher non plus. Hein. Dégâts, 19%, 11%. Ah non, ça c'est important, ok. Ça, 22%. Et après, le truc est tombé, ça devait être un truc pas trop important. Enfin, un petit outil, un truc du genre. Franchement, on a une telle vue. Hein. Je voudrais monter tout en haut. Normalement, ça ne peut. Juste l'échelle du mec là, elle est où? Ah, elle est plus basse, ça. Ah ouais, elle est plus basse. Ah non, elle est là. Il y en a peut-être une autre. Hein. Bon, quoi que ce soit, ça m'a assez bien. Enfin, assez bien. Assez facile à monter. C'est du gros stylé légende, c'est mon exosquelette là. Je crois qu'on peut aller en haut de la montagne. Il y a tellement de trucs que j'espère faire dans ce jeu. Les deux cratères, j'aimerais trop aller les voir. J'espère qu'on peut aller les voir. Et la montagne, pareil. Ah, je sens qu'on n'est pas au bout de la surprise. Bon, ça c'était le truc à 1 kg, donc ça pas me... Il doit être grand chose pour le moment, en tout cas. Normalement, c'est la mission d'après. Je vous attendais. Vous êtes ma planche de salut. Si j'ai réussi à tenir jusqu'ici, c'est uniquement grâce au porteur. Et vous ne demandez rien en échange. Vous avez toute ma gratitude. Voyons ce que donne ce paquet. Pas mal. Merci. C'est le seul qui a dit merci pour le moment, il me semble. Je peux le conseiller de tricker plus facilement. Nice. Divers, c'est quoi déjà? Je sais plus. Faudrait que je regarde. Quand je passe mieux. Alors vous venez de la part de Fragile Express. J'espère que vous avez laissé les terroristes derrière vous. Évidemment que oui. Quand Fragile, la fille du fondateur, a commencé à s'associer à d'autres messagers, les choses ont commencé à mal tourner par ici. D'après la rumeur, elle aurait provoqué l'explosion à la ville relais médiane. Et je dois avouer que j'y crois un peu. Bien entendu, elle pourrait n'être qu'une victime de plus. Vous connectez le réseau Kiral ? Mais alors, c'est une terroriste ou pas elle ? Je n'ai rien contre un contrat avec Bridges, mais je ne compte pas rejoindre les UCA. Si ça vous convient, allez-y. Fragile vous en a peut-être déjà informé, mais... Les preppers qui ne veulent pas faire partie des UCA ont quand même la possibilité de signer un contrat avec Bridges pour rejoindre le réseau.
De cette façon, ils peuvent utiliser notre service de livraison et d'autres infrastructures de base du réseau Kiral, tout comme les membres à part entière. En échange, ils vous donneront accès à leurs installations d'impression Kiral pour que vous puissiez refaire le plein de matériel. En revanche, ils ne sont absolument pas tenus d'échanger la moindre donnée avec nous. Alors ne vous attendez pas à ce qu'ils partagent des informations avec vous ou vous aident à développer des outils. Dans un monde parfait, tout le monde ferait partie des UCA, évidemment. Mais on n'est pas dans un monde parfait, alors ce qu'on veut, par défaut, c'est au moins rattacher les gens au réseau. Ils peuvent toujours changer d'avis, rien n'est irréversible. Le Cupidon ne communiquera pas de la même façon avec le terminal en fonction du type de contrat. Connectez votre Cupidon pour confirmer. Je suis en train de me dire, et si c'est eux les méchants, ça je l'ai déjà dit plein de fois, et que leur but en fait, c'est de relier les UCA, mais pour contrôler tout le monde, pas pour reconstruire la mairie. Non, j'en sais rien. Il peut y avoir tellement de théories sur ça. La société est tout simplement devenue trop grosse. Dans ce genre de période, il vaut mieux rester en petit comité. C'est aussi valable pour les messagers. Sinon, on est condamné à reproduire les mêmes erreurs. Les républiques, les fédérations, les coalitions, les états... Rassembler toutes sortes de gens, c'est pour ainsi dire chercher les ennuis. Désolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas discuté avec quelqu'un. Bonne route. À la prochaine. Ça aurait été cool, un mode coop, mais un vrai genre, on peut livrer des trucs avec nos potes et tout. Bien joué, Sam. Ça fait maintenant deux stations de prépeur intégrées au réseau Kira. Attends une minute, hein. Voilà. Voilà. Plus qu'une et c'est bon. Alors, du coup, la prochaine, c'est bien celle-là, hein. Non, d'accord, donc je coupe le repère. Où se trouve R4? R4 se trouve tout là-bas. Et c'est parti pour un autre voyage. Une sorte de gros cercle là-bas. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un camp de mules. Et aussi une très belle vue. Voilà. C'est à la fois pour moi et pour les autres. Quand je voudrais, hors caméra, aller voir un beau paysage, je pourrais monter là-haut. Une corde, ça c'est vraiment c'est une corde ça, oui. Après sinon il y a des échelles à côté, mais bon, pourquoi se priver, hein. J'ai plus besoin pour le moment. J'ai vite passé dans le rayon des mules parce que là j'ai pas trop envie de me battre. J'ai peur de perdre mes marchandises. On verra quand j'aurai. Ah, bah je suis repéré, trop tard. Il y a ceux qui sont tout là-bas donc. Un véhicule, putain, c'est un véhicule. Le seul moyen de m'en sortir, c'est de traverser cette échelle. Tant pis, je vais devoir affronter un mec.
ces mecs sont des gros tarés. J'ai pas de véhicule, j'ai bien galéré pour sortir de là. Faut vraiment que je sorte de la zone où ils sont. Il y a un autre véhicule là. Comment que je peux passer? Bah, tant qu'ils sont dans le véhicule en fait. Ah, touché. Fils de pute. Ah putain, allez vous faire enculer. J'ai pas le choix, j'étais obligé de traverser ça. Je commence à perdre conscience. J'ai pas le choix, va falloir que je mange un truc. Qu'est-ce que tu fais? Mange ça, pauvre fou. Je sais que c'est dégueulasse, mais bouffe-le, putain, bouffe-le. Pourquoi je peux pas? Ok. Ah, j'aurais fait mon sortir, la vache. Non, là-bas, c'est R5, R6, R4, pardon, c'est tout droit. C'est à peine 200 mètres. On va pouvoir continuer peu à peu. Un moment je vais devoir m'arrêter. Ah j'espère que c'est pas une marchandise trop importante qui a volé dans tous les sens. 19%, bon ça a l'air d'aller. Ouais c'est plutôt les sprays, les encres, etc. Les échelles. Bon, ça va. Fou toi, attends, calme-toi là-haut. Ok. On est prêt à retourner. On est presque arrivé, donc là normalement après ça j'aurai plus de marchandises. Donc si je repars là-bas, ils vont plus rien en avoir à foutre de moi. Et je pense que pour venir, j'allais chercher. Enfin, je vais faire ça là avant d'y aller. Si tout se passe bien normalement, après ça, je vais pouvoir aller chercher ça. Pour ensuite repartir directement. Voilà. Ça m'a l'air d'être un bon plan si j'ai plus de. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Après ça, de toute façon, normalement, j'ai plus de marchandises. Je pensais perdre un truc de 30 kilos. C'était beaucoup trop simple, voyons. Ouf.
Non, divers, est-ce que j'ai enfin passé un niveau là? Non. Vous faites quoi dans cette histoire? Tout le monde sait que Fragile a organisé l'attaque qui a dévasté la ville relais médiane. Il faudrait être idiot pour confier des livraisons à cette terroriste. Mais vous êtes là, à la remplacer. Vous maintenez son affaire à flot, c'est ça? Je vous jure, on peut se fier à personne de nos jours. Et pas la peine de me baratiner pour que je rejoigne votre petit réseau. Vous savez pourquoi il y a tant d'attaques terroristes ces derniers temps? Parce que vous les avez énervés, avec vos histoires de reconstruire le pays. Rejoindre les UCA. Comptant peindre une cible sur mon abri. Continuez à me livrer, et on s'entendra très bien. J'ai pas envie d'avoir des ennuis. Mais je dois dire qu'elles me plaisent bien, vos grenades hématiques. Du beau boulot, il faut avouer. Et c'est pas le genre de matos que les UCA devraient garder pour elles. Je suis bien d'accord Après avec tout, toi. Les porteurs indépendants manquent pas dans les parages. Si seulement je pouvais en produire à la chaîne pour équiper ces braves gens. Vous êtes des gens bien, pas de doute. Vous m'avez apporté ma commande comme prévu. Mais il en faudra plus que ça pour que j'accepte votre proposition. Le réseau Kiral, c'est un sacré pas en avant. Mais... si vous arrivez à me prouver que je peux faire confiance à Bridges... j'ai une idée. Faites une autre course pour moi. Pas maintenant, il faut que j'aille... les infos dans le terminal, là-bas. Bon, on va devoir les fight un peu, du coup, c'est pas grave, c'est pas grave. Au travail, nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Commande pour ça, mais j'ai pas le choix, c'est où? Eh, hey, c'est à côté du cratère, c'est juste à côté en plus. Bon bah, ça peut-être pas trop gêné que ça finalement. Ça fait que 15 kilos. Bah finalement, on voit très bien. La boîte à outils que vous cherchez devrait se trouver dans mon ancien abri. Elle a un identifiant, alors vous devriez pouvoir y aller sans problème. Je l'ouvrirai à distance quand vous y serez. Oh, et prenez quelques-unes des grenades hématiques que vous avez apportées. Ça rend bien service quand on se retrouve acculé par des échoués, pas vrai? Oh merde, tu en espérant que ça vous arrive jamais. Non, oui. Oui, vas-y, dis ça. On sait tous très bien que ça va m'arriver. Bon, de toute façon, là, j'en ai déjà 10 sur moi, normalement. Donc, ça devrait passer. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Merde, j'ai annulé. Non, je... La boîte à outils que vous cherchez. Oui, c'est bon, je connais. Bah tiens, comme par hasard, je m'y attendais pas du tout, c'était absolument pas prévisible, voyons. Bon, de toute façon, c'est un peu une mission principale, donc j'ai pas trop le choix. Tant qu'il n'y a pas d'échoué, moi ça me va. Je vais comprendre ça. En revanche, les grenades, je m'en sers seulement si je suis repéré, hein. Je sais pas si... une bonne idée en fait, hein. Faut voir, on verra. Je suis à combien là? Je suis à 200 mètres. Bon, je suis capable d'échouer, je peux tracer.
Je promets, ça ne dit vraiment rien, je vais faire en sprint, accroupi. Ouais. Le seul truc que je voyais de loin, c'est l'entrée du cratère. Oui, forcément. Comment je peux traverser ça, moi? Tente ou pas? Je détruis ou pas? J'essaye ou pas déjà? Putain, j'en sais rien. Putain! Ça me repère même pas, j'en crafte masse. Hein. Rien à foutre. Et c'est grave utile. Croyez qu'il est en haut. Oh non. Calme, il est en haut. D'après vous, je suis repéré là. Prends quoi ce con, mais vas-y, te penche pas dans tout, hein. Bébé, t'es vraiment enculé, ça me fout. Tous les deux, allez vous faire enculer. Ok, il est là, c'était chouette. Je vais aller m'enculer. Voilà. Avoir calmé. Faut vraiment que je crafte Mac.
c'est vraiment trop bien ça. J'en veux plus. Je peux encore niquer 5 échouer comme ça. Ah, j'ai des sauts sur moi, j'ai même pas vu. Un là, un là, un là. Bon, lequel des... max de poche de son. Dès que je serai là, je crafte un max poche de son et Alors déjà avec une terminale. Quasi pris, je peux rien craft. Fais chier. Non, j'en ai plus que 3. Il faut que j'essaye de pas trop m'abuser. C'est sérieux? T'as rien vu. Non, je vais pas faire le con. Ouais, du coup, faut que je retourne là. Après j'accepte, tu ferais plus rien de bien, c'est pas grave. J'ai plus qu'un, alors lui je vais vraiment utiliser de précaution. Dernier. Maintenant si je me fais choper, mon seul choix c'est de courir. Donc je vais vider tout ça, je vais recycler. Que je t'en ferai pas un double saut. C'est une extrêmement mauvaise idée. Une extrêmement mauvaise idée. Pardon.
pas trop envie de repasser par l'intérieur parce que c'était compliqué vu que j'ai plus de grenades. Ça va être encore plus. Je pense en tout cas. Nickel! Peut-être essayer de trouver un moyen pour sortir. Nickel. Bon. Bon, il va falloir que je tourne là. Mais c'est toujours pas terminé, il y a encore des échoués dans le coin. On va commencer par jour. Voilà, allez hop, on trace. 3 likes aussi de la part de bébé. C'est un truc ici, les jambières. Se recharger, porter sur le dos. Voilà ça. J'ai envie d'essayer. Me dire que si je veux que ça recharge, parce que ça part de recharger depuis tout à l'heure, faut que ce soit sur les dos. Un truc qui va prendre 3 minutes. Ça, non, juste ici aussi. Non, c'est vraiment tout bien. Mon plan, non, ça a pas l'air d'énormément le recharger. Hein. Pas se mentir, bon, s'équiper. Je vais juste voir. On est presque arrivé. Non, c'est encore en fait. J'y suis presque. On range, oui. Il y a un générateur. Ici. Mais il y en a aussi un sur le chemin. À votre avis, ce serait mieux de prendre lequel en premier? Je prends celui qui est sur le chemin. De toute façon, les jambières sont censées pouvoir se recharger à la lumière du jour. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Donc je vais essayer juste rester AFK. À la lumière du soleil. Pour un petit moment, puis je vais voir. Ah, on a fait pas. D'ailleurs, je pense que je vais terminer tout de suite, je vais livrer ça à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Attends. À la prochaine vidéo sur Death Stranding. Bye.